Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Assassin's Creed Odyssey. Alors pourquoi je reprends ici? Parce que je viens de passer 5 minutes à piller le temple qui est... je suis en train de regarder là, le temple d'Athéna. Et le temple qui est à gauche là, il y a des réserves d'or là-dedans. Vous pouvez y aller, du moment que vous n'êtes pas vu, pas pris. Donc voilà, je me suis fait, je sais pas, peut-être 200. J'exagère peut-être un petit peu sur les 200 pièces. Mais je me suis fait une jolie petite fortune, ça c'est sûr. Non bah je suis allé sur l'acropole, je vais en chier à redescendre. Mais enfin. Allons déjà voir. Bah, par où on sort? Je sais comment j'ai fait pour venir, mais je sais pas comment on fait pour en partir. Je suis du mauvais côté à tous les coups. Bon, c'est pas grave. On va aller à gauche. Ah bah oui, je suis couillon. Faut que je passe à travers de ça. Bon, le cheval veut pas passer. Ma foi, je peux comprendre. Hein. Vous voyez là tous les points rouges, là tout ça, ça se vole. Mais si je fais ça maintenant, je vais être découvert. Et je me suis rendu compte aussi des guêtres affreuses que je porte là avec les trucs d'Agamemnon. Ça me fait des tigres. Donc niveau 17. Ah oui, et puis du coup, qu'est-ce que j'ai looté aussi dedans? 7 superbe épée. Pas les dagues. Les dagues, je les ai lootées dans la mission d'avant, je crois. Par contre, cette super épée là, niveau 17, elle est lootée ici. Dans l'un des coffres. Hop. Ouais, c'est sûr que là, je suis tombé quand même de relativement haut. Hop. Donc oui, il semblerait que les statues en marbre étaient peintes. Et pas forcément dans des couleurs qui nous plairaient au jour d'aujourd'hui. Elles étaient assez criardes, il faut croire. Mais allez. On va tâcher d'aller là-bas. Faut vraiment que je me trouve une armure. J'aimerais bien compléter le set d'Agamemnon ou... Ouais, on va escalader là. Hop, on va se servir de ça. Hop. Ah bah oui, forcément, on arrive de derrière la scène, sachant que personne. Mes amis, je vous en prie. Ce n'est pas parce que les Spartiates sont devant nos murs que nous devons nous comporter comme eux. Belle récolte. Dommage que les Spartiates l'aient consumé sur pied. Le Parthénon est splendide, Périclès. Mais à quel prix? Combien de trirèmes aurait-on pu construire à la place? Nous ne devons pas nous diviser. Nous sommes divisés. Et Sparte en profite. Agis, Périclès, ou je le ferai. Oh, bien, te voilà. C'est pire que je m'imaginais. Cléon à la foule avec lui. Nous devons partir, vite. Où ça? Voir Périclès. Alors ce qu'il faut savoir sur ce Parthénon, c'est qu'il a été conçu avec le trésor de la Ligue de Délos. À l'origine, il était sur une île. Est-ce que je vais réussir à le trouver? Lesbos, je sais plus, il... pas Samos, pas Andros. Enfin bon, à l'origine, il était... Non, c'était pas Andros. Je sais plus sur quelle île il était. Mais le trésor de la Ligue de Athénienne était, était entreposé sur une île, on va dire. Bah, Délos, je suis con. La Ligue de Délos. Donc, je suppose qu'il était entreposé à Délos. Et un jour, Athènes a décidé de le rapatrier, et comme de par hasard, c'est le moment où ils se sont construits le Parthénon. Et c'est vrai qu'ils auraient pu construire une flotte à la place. Mais non. Il ne vient pas attaquer Périclès, je vous l'assure. Ah, Hérodote. Ça va.
Laissez-les passer. Je ressemble vraiment à rien par contre avec ce look d'armure. Heureux de te revoir, Berges. Moi aussi. Et j'aurais préféré que ce soit en d'autres circonstances. Qui est-ce ? Alexios. Bienvenue, Alexios. Dis-moi, que t'inspire ce premier aperçu d'Athènes ? Tu ne dis rien ? Si seulement tout le monde comprenait que le silence est aussi une réponse. Une foule est prête à s'emparer de la première solution qu'on lui apporte, comme un chien qui s'empare d'un os. Périclès, nous sommes venus pour... Il faut choisir le bon moment et nous adresser à lui en privé. Très bien. Nous sommes venus pour une affaire urgente. Comme tous les autres. J'ai laissé entendre à Alexios que tu l'inviterais à ton banquet. Tu me demandes d'en exclure les Athéniens et d'y inviter un étranger. Un Spartiate en plus. J'ai pourtant entendu la foule. Il ne manque pas de raison de me haïr. Ils sont plus une raison près. Les yeux indiscrets pourront le prendre pour un serviteur. Je ne suis le serviteur de personne. Alexios, nous sommes à Athènes. Pour obtenir quelque chose, il faut parfois jouer un rôle. Et que cherches-tu à obtenir au juste ? Ta tête. Nous voulons tous quelque chose. Même toi. Donnant. Tu es plus perspicace que tu ne le laisses paraître. Alors dis-moi ce que je dois faire. Prends-moi pour un russe, je dirai rien. Par aller voir mon collègue, Métiokos. Il devait me retrouver aujourd'hui et il n'est pas homme à manquer un rendez-vous. D'accord. Et mon ami Phidias doit quitter Athènes le plus vite possible. Ah, Phidias, c'est celui qui devait se faire assassiner par le culte. Oui, un vote portant sur un ostracisme pourrait bénéficier de ton influence. D'accord. Je m'en occupe. Je vous ai déjà parlé de l'ostracisme, alors je ne vous ferai pas la leçon. Sur ta discrétion. Par contre, il faut que je sois discret, je Formidable. Pense. Il ne t'a pas officiellement invité, mais c'est tout comme. Enfin, je pense qu'il va quand même consulter Aspasia et demander sa permission. C'est le résultat qui compte. Ok. Alors, ça c'est la quête Yeux du Cosmos. Est-ce que j'en ai d'autres qui sont révélés en membre du culte ? J'ai lui je l'ai vu. Hein. Un adepte qui possède une carrière d'esclave. On va essayer de commencer à voir où est-ce qu'il peut se planquer. Une carrière et des esclaves en Attique. Alors, je ne vois pas assez l'Attique. Mais s'il doit y avoir une carrière, ça doit être sûrement dans les montagnes d'argent. Ou plage de sable. Quoique l'Attique. Mais l'Attique, c'est grand. Ah, une carrière, il peut y en avoir une partout. Ok, donc il va falloir que je fouille les carrières pour essayer de le trouver. Là, j'ai quoi ? Pour le peuple, Cléon. Donc j'ai l'ostracisme et lui. Quête. Donc ça on va fermer. Pour l'instant je peux pas y faire. Améliorer la lance, j'en ai 1 sur 7. C'est quoi ça ? Périclès a mentionné l'absence de Métiokos. Bon on va se faire lui, c'est le plus proche. Ah non, on va se faire ça. C'est ce qui rapporte le plus d'argent. Quoique le plus proche, non, c'est le choix le plus logique, excusez-moi. Oui, je sais, je suis indécis un petit peu. Plus proche, allez. C'est dingue, je vois pas. Ah, voilà, c'est parce qu'il était trop proche. Pourquoi il fallait que ce soit des serpents ? Ah.
Par où on rentre? Ah bon Dieu. Où c'est qu'on entre dans cette baraque? C'est pas par là. J'ai dû rater la porte d'entrée. Bah, à tous les coups, elle était là. Bah non, elle est pas là. Elle est où la porte? Ah, c'est bien, on a fait une rayure dessus. Bon, la porte est fermée, c'est pas grave. J'ai entendu qu'il y avait des serpents. Voilà. Ok, bon, ça aurait été peut-être plus efficace avec ma lance. Loué soit le Dieu qui t'envoie. Sans toi, il m'aurait dévoré vivant. Je ne pense pas qu'il puisse te manger. Non, il t'aurait juste mordu. Il m'aurait tué à coup sûr. Alors merci. Je suis pas venu là pour la voir. Les services ne sont jamais gratuits. Bien sûr. C'est Périclès qui m'a envoyé. S'inquiétait pour toi. Les deux remarques vont pas ensemble. Souvent ligoté et entouré de serpents. Comment peux-tu plaisanter? Des bandits sont entrés chez moi. Ils m'ont traîné ici et ligoté avant de lâcher ces infâmes créatures. Il faut les arrêter. Les serpents? Non, les bandits. Qui est bête comme ça. Je vais les trouver. Allez, je cause. Ça m'intéresse pas de causer avec lui. Les tensions sont vives dans la ville. Si ça continue, nous allons nous entretuer avant que les Spartiates ne franchissent les murs. J'aurais rien contre, personnellement. Ouais, donc toutes les portes étaient bien fermées. Ouais, ils sont vaches, hein. Je me suis tapé un tour du quartier pour rien. Ouais, par contre, ça aurait pu... C'est normal que j'ai le point comme ça? Ah bah oui, rejoins de la maison des assaillants. Je doute que cette partie d'Athènes fasse la fierté de Périclès. Il doit bien y avoir un indice quelque part par ici. Des serpents. Semblables à ceux qui devaient tuer Métiochos. Hop. Il y a du monde par là. Pourquoi il court lui? C'est vraiment un bouge infâme. Là, il faut regarder quelque chose. Des morsures de serpent, et quelqu'un a caché le corps. Ah oui, d'accord, ok. Mais je pense que cette mort était un accident. Et par contre, lui, ça le perturbe pas du tout. C'est quoi ça? C'est un camp? Un marché pauvre. Apparemment, les bandits qui ont attaqué Métiochos n'ont pas imaginé leur plan tout seul. Ce doit être la maison de ceux qui ont attaqué Métiochos. Mais ce message montre que l'idée venait de quelqu'un d'autre. Mais qui? Qu'est-ce que tu fouines autour de ma maison? Vous avez attaqué Métiochos. J'ai trouvé les serpents, la lettre de votre ami. Il y a des façons plus discrètes d'annoncer la chose, moi. Ici. Oh,
Actis. Vous connaissez tous les risques. Il faut souvent verser un peu de sang pour changer les choses. Vous ne pouvez pas faire justice vous-même. Je vais devoir décider de ce que je vais faire de vous. Ouais, donc... Il est temps de se battre et de chasser l'élite de la ville. Mais Clément, c'est pas l'élite, peut-être. D'autres prendront notre place. Je sais que quelqu'un vous a donné ces serpents et qu'il s'est servi de vous. Alors je veux savoir qui c'est. C'est un vrai héros, Athénien. Aucun des sbires de Périclès ne peut l'arrêter. Cléon ? Oh, sans pitié. Dis-moi ce que je veux savoir. Ou je vous tue. C'est aussi simple que ça. Vous et votre cause, on n'en parlera plus. D'accord, d'accord. Mm-hmm. Il a un campement à l'extérieur des murs. Un grand patriote. C'est là. Ouais. On peut encore changer les choses. Mais il faut qu'on travaille ensemble. Oui, tu as peut-être raison. Rien ne t'oblige à nous épargner. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Commencez ici, dans votre quartier. Oubliez les hommes politiques. Et changez ce que vous pouvez changer. Oh, les pauvres idéalistes. On va essayer. Il faut que je débarrasse Athènes de ce vendeur de serpents. Des paroles bien belles, mais bon. Ouais, je vais pas prendre le cheval pour ça. Là, j'ai vu que ça scintillait. C'est marrant comme ça qu'il laisse des murs. Wow! Espérons que personne ne me remarque. Une cachette! Ouais, voilà, j'aurais pu la faire de façon plus discrète. Je vais te tuer, Mystios. Par les cheveux. Un empoisonneur qui vous dague, comme moi. Oh, ça se contre pas, ça. Non, non, mais arrête ça. La chance t'a abandonné. Ouais. Là, je m'y suis pris comme un bourrin. J'étais surpris par le serpent, on va dire. Je m'attendais pas à être dans une zone dangereuse aussi vite. Comme quoi, il fallait que je reste concentré. Ouais, on va se faire ça rapidement. Enfin, rapidement. Ouais, je suis arrivé du mauvais côté. Ok. Tu vas sortir mon venin dans tes veines. Allez, à mon tour. Je vais te tuer, Mystios. Par les dieux. Ouais, mais il y a des serpents partout ici. T'es une mort à la fin. Ah, purée. Hop, 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 on va régène. Ça ne va même pas être amusant. Recule. Ah, bon Dieu. Trop de serpents. Faut vraiment que je fasse gaffe à ces serpents. Faut que je fasse gaffe où je mets les pieds, tout simplement. Deux fois de suite que je me fais avoir par les serpents. Merci à toi, Icaros. Là-bas.
Allez, hop. Tu vas sentir mon venin dans tes veines. Allez. Je vais te tuer, idiot. Allez, recule, recule, recule. Ouais, quand il place sa parade. Allez, on enchaîne. Sa mort devrait permettre d'épargner les amis de Périclès. Voilà. Dague d'empoisonneur, qu'est-ce que ça donne comme dague? Hop. Poison, elle me donne quoi? Guerrier, ok. Vaut mieux ça. Allez, on va se faire plaisir. Ok, c'est bien, ça me dit où sont les serpents, ce truc. Ok. Jusque là ça va. J'ai pas looté. Si. Allez. On va tâcher de se remettre en route. Ouais, bah je pense qu'il va me servir à rien. En avant, Phobos. Allez. Non, il me sert à rien. Je galère trop. Allez, go. Allez, on est sur la bonne route. Je n'ai toujours pas ouvert les portes de la maison. Allez. La situation a l'air meilleure qu'à notre dernière rencontre. Le danger est écarté pour l'instant. Mais tant que ces monstres seront là, personne ne sera en sûreté. Tu as été ligoté par un groupe de pêcheurs. Eux-mêmes manipulés par un vendeur de serpents qui travaille pour les ennemis d'Athènes. Qu'est-ce que tu as fait d'eux? Je leur ai montré qu'ils se trompaient, et je les ai laissés partir. Ils ne t'ennuieront plus. Je suis content que tu ne les aies pas tués, mais comment sais-tu qu'ils ne recommenceront pas? Disons que je leur ai fait comprendre que tout acte stupide m'agacerait beaucoup. Oh, cela a dû être une expérience terrifiante pour eux. Merci de ton aide, Mystios. Je n'oublierai pas d'en parler à Périclès. Oui, pas les pièces. Merci. Bon, c'est pas trop mal. Allez, je vais faire une petite pause, je vous retrouve tout de suite.